la veille de l'examen. J'ai eu la chance d'assister à la dernière audition avec mon monsieur de Paris qui m'a vraiment sauvé. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir 15 suivis en concert en 2017. Avant de suivre le séminaire de Bénédicte.com, mes niveaux français étaient minables. Très minables même. 7, 5. Mais juste après avoir suivi ce séminaire, mes notes ont changé positivement en autant de corps. 14 en français à l'examen départemental. 16 en français pour les arrêts blancs internes. Et tout cela est confirmé par mes 15 que j'ai obtenus au bac en français. Je viens de décrocher le bac 2017 avec la mention bien. C'est l'occasion ici pour moi de remercier un professeur, un grand artisan, je dirais même de cette mention. Je veux nommer M. Koukouno Evariste. J'ai eu le privilège de passer 5 heures de temps avec ce professeur au séminaire. Je suis rentré avec un document imprimé et un support audiovisuel. J'ai eu mon bac cette année, fait la série A2. J'ai eu 18 en français grâce au document en vol pour une maîtrise maximale en dissertation d'Evariste Koukouno. Cette note m'a permis d'avoir 17,13 au bac, donc d'obtenir une mention très bien, ce qui m'a propulsé au 11e rang au plan national, toutes séries confondues, au premier rang pour mon département, toutes séries confondues également, et au premier rang pour ma série. Donc. Monsieur Evariste Koukouno est mon modèle professeur de français. CP, j'ai eu le privilège d'assister à la toute première édition du séminaire en vol pour la maîtrise maximale en dissertation. C'était magnifique. Le support de ce séminaire, un ouvrage imprimé, accompagné d'un CD, fait partie des rares documents qui comblent les attentes des élèves. Intitulé En vol pour une maîtrise maximale en dissertation. C'est un document que j'ai beaucoup apprécié parce que dans le document, l'auteur a proposé une démarche pour traiter l'exercice de dissertation. Il y a proposé des épreuves suivies de conjonctive. C'est un bon document qui va aider les enseignants de français, surtout ceux qui ont envie de se perfectionner dans cet exercice-là. Parce qu'il faut l'avouer, à un moment donné, les gens ont appris à enseigner le français sur le tas et certains ne maîtrisent pas bien les démarches qu'on doit suivre pour traiter les exercices. Donc, je recommande ce document à tous nos collègues de français. Ensuite, aux apprenants, surtout ceux du second cycle, parce que s'ils lisent le document, ça va les aider à approfondir davantage leur maîtrise de l'exercice de dissertation, en plus de ce qu'ils auraient appris en classe. En vol, pour une maîtrise maximale en dissertation, c'est vraiment un envol. J'ai parcouru le document de la première page à la dernière et j'ai trouvé que le collègue Evariste Koukouno a fait œuvre utile. Il a rendu d'énormes services, aussi bien aux candidats qu'aux enseignants, surtout les plus jeunes. En tant que conseiller pédagogique, je recommande et je souhaite vivement que les collègues puissent le posséder en vue d'être plus utiles à leurs apprenants en classe. Vu l'utilité de ce document, j'invite toutes les autorités, qu'elles soient au niveau communal, j'invite aussi les politiques à se mettre dans la bataille parce que, en tant qu'enseignants, nous avons constaté un fait.
Et quand vous suivez la conférence animée par l'auteur du livre et que vous avez ce livre comme appui, et ça change vraiment les données. C'est pourquoi ici à Comé, quand la conférence a eu lieu, les élèves qui ont pu assister réellement ont tiré grand profit. Vous savez, nous, professeurs de français, nous étions confrontés à un problème de plan et d'orientation en matière de dissertation. Donc ce document est venu faire une grande lumière sur ce problème. J'invite par ce biais tous les apprenants du Bénin, quel que soit le lieu où se trouve, à faire référence à ce document. Il est très bien conçu, il est digeste et au niveau des professeurs, franchement, que cela devienne comme une bible.